projet Perte de vue a pour objectif de faire en sorte que, en tant que non-voyant, je puisse monter le col de l'Aubisque seul sur mon vélo. Pour cela, je serai accompagné de Sébastien Bichon qui me guidera à la voie pour faire l'ascension de ce col. Je suis handisportif. Mon sport de prédilection, c'est le vélo, dans lequel j'ai brillé il y a une vingtaine d'années, avec 5 titres de champion de France, 2 fois vice-champion d'Europe et le point d'orgue en 2000 aux Jeux paralympiques de Sydney, médaille de bronze en cyclisme sur route. Ça va faire un binôme un peu particulier parce que c'est du 100% handi, Marc non-voyant guidé par un amputé tibial. Et chacun sur son vélo côte à côte. Il a fallu tout inventer, la manière de communiquer, avoir des mots très courts, très concis, très concrets. On a dû tout définir, tout inventer parce qu'on n'avait pas d'exemple sur lequel on aurait pu s'inspirer. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce défi-là, c'est d'aller dans le dépassement de soi. La confiance est vraiment là, Marc prend de plus en plus d'assurance. Donc voilà, il a eu raison d'oser. Et rester dans son canapé, ça aurait été dommage. Mon activité professionnelle m'amène à porter assistance aux personnes et aux biens. Et notre projet, il est porteur de ces mêmes valeurs par le fait que Sébastien va être mon soutien, mon partenaire dans ce projet. C'est un défi sportif personnel, mais ce qu'on espère, c'est qu'il va être inspirant.